Et chers amis, bonjour. Eh bien, superbe victoire du LHC hier en terre à Joulan. Eh oui, les amis, eh oui, à Porrentruy, eh bien, le LHC a gagné 4 buts à 3 contre Ajoie. Après prolongation, donc un match qui a quand même été haletant, hein, tellement les deux équipes étaient proches l'une de l'autre, à pas pouvoir se départager. Et c'est après prolongation que nos Lausannois ont réussi quand même à remporter la partie, donc ce qui est très bien. On va regarder un petit peu le détail, les amis. Donc 29e journée National League, les amis, dès la 9e minute, 9e minute, 9,58, Henrik Appala avec un assist de Fabian Heldner marque le premier but pour le LHC à la 19e, 14 secondes, hein, c'est très précis. À 19e, 14 secondes, c'est Thibaut Froissart pour les Ajoulots sur des assists de Jonathan Hansen et Daniel Odette, donc qui égalise, c'est un partout à ce moment-là. Jason Fuchs, 19 minutes 35. Jason Fuchs, eh bien, c'est lui, c'est 2 buts à 1 avec Lucas Frick. Ils offrent cet avantage au LHC. On terminera ce premier tiers-temps sur cet avantage lausannois. Deuxième tiers-temps, eh bien, les Lausannois remettent la compresse. C'est 3 buts à 1 par Igor Yelovac. Non, c'est pas 3, je me trompe. Igor Yelovac lui prend 2 minutes. Prend 2 minutes. Eh bien oui, parce qu'il a fait trébucher un adversaire. Donc à la 22e minute. Il se passe rien de plus de tel. Il y a toujours 2-1 à ce moment-là pour le LHC. Troisième tiers-temps, eh bien, Jason Fuchs, il prend 2 minutes aussi parce qu'il a fait trébucher un adversaire à son tour. À la 41e. Reto Schmutz à la 43e. C'est 2 partout avec un assist de Thibaut Froissart et Brennan. Kevin Frey, du côté Ajoulot, lui, à cause d'une crosse haute, prend 2 minutes à son tour. Kevin Frey, de nouveau lui, eh bien, il reprend 2 minutes pour une crosse haute dans ce match. Jonathan Hazen sur assist de Thibaut Froissart, eh bien, c'est à ce moment-là, c'est 4 à. Attendez voir. C'est non. Avant lui. Alors toujours on en est à 3-1, sauf erreur, 3-2, Damien Ria, 45e minute sur un assist de Christian Joss. Yannick Fischer lui prend 2 minutes pour coup de crosse à Lausannois. À la 46e minute, Jonathan Hazen sur assist de Thibaut Froissart. Oui, 55e, c'est 4 partout. C'est 4 partout entre. Non, c'est 3 partout, pardon. Entre Ajoie et le LHC, bien entendu. Et puis, ben, bien sûr, pour bien faire les choses, qui d'autre, on va quand même le dire, qui d'autre que Antti Suomela avec un assist de Henrik Appala à la 61e minute pour donner. Après prolongation, la victoire au LHC 4 à 3 pour terminer. Donc voilà les amis. Ce soir, ben oui, parce que le hockey c'est comme ça. Hein. Le hockey c'est ça roupie pas. Hein. C'est pas un peu comme le foot où on a du battement. Là non, c'est pas le cas. Ce soir, il faut à la Vaudoise Arena recevoir le HC Lugano. Donc à 19h45, n'oubliez pas Lausanne HC, HC Lugano. Donc c'est très bien. Voilà les amis, donc après avoir gagné mardi, attendez, avoir perdu mardi. Je vous dise pas n'importe quoi. Après avoir gagné mardi, voyons, oh, je me mélange encore les pinceaux. Après avoir gagné 6-2 contre les Tigers de Rapperswil-Jona. Donc 3-0 au premier tiers-temps. Il n'y a pas eu de but au deuxième tiers-temps. Et au troisième tiers-temps, il y a eu 3 buts lausannois et 2 buts de Rapperswil. Donc ça c'était mardi 28 à la Vaudoise Arena.
Mardi, hier, ben, je viens de vous le dire, on s'est rendu à Ajoie. Et ce soir, Vaudoise Arena encore, HC Lugano qui vient à Lausanne. Donc voilà. Vaudoise Arena. Alors, 16 ans maintenant. Et oui, il ne faut pas oublier que ce soir, c'est aussi la fête à Vaudoise Arena pour fêter les 30 ans de la section ouest. Attention, il ne faut pas oublier, c'est un anniversaire très important. Cette section ouest qui tient le club depuis 30 ans maintenant, qui a connu des ligues B, qui a connu les premières ligues, qui a connu des ligas. Enfin bref, ils sont là, ils sont toujours là. Puis bravo à eux. Et bravo pour cette ambiance lausannoise qui est hors du commun. En tout cas, à la Vaudoise Arena. Et ce que j'aimerais, c'est que ça fasse un peu pareil à la Tulière, parce qu'on aurait bien besoin à Lausanne d'être supporté, puisque Lausanne est une vraie ville de sport entre les équipes de foot, les équipes de basket, quand même, hein, les Lausanne Foxes, puis Lausanne Foxes. Faut quand même en parler, même si on n'en parle pas assez. Je devrais aller faire un tour une fois avec ça, en parler du moins. Et puis, je vous parle pas du FC Renan, FC Puy, tous ces clubs-là, Prix. Je vous parle pas de tous les clubs de hockey qui gravitent. Vous voyez, Forvoir-Morges, bon, c'est pas Lausanne, tu vas me dire, mais on s'en fout. Pour moi qui suis Valorbier, quand t'es à Morges, t'es à Lausanne. Bon, c'est compris. Bref, ce soir, Lausanne HC, HC Lugano, il va falloir gagner parce que bah, c'est clair que là, j'aimerais, moi, ce que j'aimerais vous. Oui, parce que alors, on est quatrième au classement, c'est ça qui est bon. Lausanne, quatrième au classement, les amis. Ah ouais. Alors, les ZFC Lions, premier toujours, EV Zug, deuxième, troisième, HC Fribourg-Gotteron, et puis quatrième, eh bien, le Lausanne HC, derrière nous, le CP Berne, les amis, avec 3 points de retard sur nous, et ouais, le CP Berne qui est cinquième, c'est très étonnant ça, le HC Lugano au sixième, septième Davos, huitième Ambri-Pouilly-Piotta, neuvième les Celtic Tigers, Rapperswil Lyonnais. 10e, le Genève Servette de Dieu de Dieu. 11e, HC Bienne. 12e, Kloten, les Aviateurs. Et les Lakers, Rapperswil Lyonnais, 13e. Et, dommage pour les Ajoulots, 14e, j'aimerais bien qu'ils sortent de là. Mais Ajoie, ils ont l'habitude de faire, j'ai envie de dire, l'ascenseur. C'est un très bon club de hockey, hein, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, c'est pas grave, ils ont. Toujours là, amis lageois, vous êtes toujours là. Donc, c'est ça le principal, vous êtes là. Je veux dire, que ça soit Ligue B, Liga, Ligue B, Liga, voilà. C'est toujours le haut niveau suisse, c'est, voilà. On y est. Donc, et puis, c'est vrai qu'à Ajoie, chez nos amis jurassiens, hein, c'est pas jurassien, porc, mais chez nos amis jurassiens, les amis, eh ben. Oui, le hockey, c'est une vraie culture. La preuve avec le HC Ajoie. Et puis, félicitations au FC de Léman. Ah ouais, qui a quand même éliminé Lucerne, pardon, au dernier tour de Coupe de Suisse. Donc, long chemin au FC de Léman. Abonne-toi à la chaîne et je reviens tout de suite. Ou bien tout bientôt. Du moins pour les débriefs de match. Ciao. Et avant, bouge pas. Un truc, oui, les amis. Vous avez des soupers de boîte à faire pour ces prochaines semaines. Vous avez, entre Noël et Nouvel An, des repas de société à faire ou que sais-je. Je me propose, bien sûr, pour pas très cher, mais il faut bien que je gagne ma vie, mais pas très cher quand même. Hein. Il s'agit de 200 balles, j'ai envie de le dire. Eh bien, oui, je suis cash. Vous proposez mon spectacle d'humour pour, bien sûr, après un repas, quoi de mieux à l'heure du café et des gâteaux? Quoi de mieux qu'une petite heure de rigolade? Et bien voilà quoi. C'est toujours sympa de pouvoir se croiser et pouvoir se voir et pouvoir passer des bons moments ensemble. Moi, je suis jamais le dernier en reste pour la déconne. Donc voilà, je me propose bêtement, simplement, de mettre mon modeste talent à votre service, les amis.
abonnez-vous à la chaîne. Et puis n'oubliez pas, joignez-moi si vous êtes intéressé. C'est Stéphane Tirelli, me joindre. Stéphane Tirelli sur Facebook en message privé. Ou même, vous gênez pas, mettez-moi un message là sous la vidéo. Carrément. Salutations, salut!